Bonjour les amis, bienvenue. Donc, vous avez eu l'occasion peut-être de voir le résumé, il est ici proposé en lien. Donc un résultat négatif, le bois n'est pas ponçable, donc on passe maintenant à la solution un peu nucléaire qui est celle du décapage chimique. Quelques mots sur le décapant chimique. Donc attention, c'est assez violent, donc là il ne faut pas s'en mettre sur les mains. Et c'est toujours bien, moi j'ai ici cette petite truc de pinceau pourri. En fait, c'est très bien d'avoir ça quand les pinceaux sont trop durs ou quoi, s'ils sont trop écartés. C'est bien de les garder parce que typiquement pour ça, ce serait du gâchis de prendre un pinceau neuf. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les fondamentaux de la peinture, toujours bien de garder quelques bouteilles d'eau. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas en acheter. Pour la peinture, c'est très pratique. Je précise une chose, ici c'est inscrit sur la boîte, il ne faut pas faire ça en plein soleil. Donc en fait c'est pour éviter que ça s'évapore trop vite, ce qui retirait l'effet qui agit. Donc pas sur la peau. Pour induire le décapant chimique, il faut enduire de manière généreuse. Il faut laisser agir grosso modo une demi-heure. Et pas attendre trop longtemps parce que sinon après le décapant va se durcir lui-même. Vous voyez maintenant la peinture part comme rien, facile. Parce que pour enlever ça avec la ponceuse, vous aurez mis très longtemps et vous aurez abîmé beaucoup de papier. Donc maintenant, nous avons terminé la phase 2 de ce décapage chimique. Une petite notice, faites attention lorsque vous retirez des bandes de peinture qui sont collantes, de ne pas marcher dessus puisque c'est de la peinture. Et donc, si vous marchez dessus et que vous vous baladez après dans la maison, vous allez faire des traces.